tire dans la cible. Vous êtes cinglé. Le métier à tisser le destin. À compter d'aujourd'hui, tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Pourquoi ? Parce que comme apôtre, ton rôle ne consiste pas à interpréter, mais à exécuter. Toute culture a ses codes secrets qu'on ne retrouve pas dans les textes traditionnels. Il y a 1000 ans, un clan de tisserands a découvert un langage mystique dissimulé dans le tissu. Ils prirent le nom de confrérie. Honnêtement, moi, tout ce que je vois, c'est des fils. Approche. Tu vois le fil de lisse qui saute parfois, un fil de chaîne ? Comme un défaut ? Non, c'est un code. Si le fil vertical est dessus, c'est un 1. S'il est dessous, c'est un 0. Un code binaire alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un nom. Une cible. Mais d'où viennent-ils ces noms ? Ils répondent à une nécessité, Wesley. La nécessité de maintenir un équilibre dans le monde. Ce sont des ordres qu'il faut exécuter. Ils nous sont dictés pour que nous puissions créer la stabilité à partir du chaos. Celui-ci est pour toi. Je croyais que vous m'aviez amené ici pour tuer Cross. Un jour, tu le tueras. C'est ta première mission. Le métier dicte, j'interprète. Tu exécutes. Vous voulez que je tue Robert Dean Darden ? Pas moi. Le destin.